冰天雪地里，褐色身影到处翻翻找找。平毛猎犬史黛旭与德国牧羊犬尼尔正在执行攸关性命的搜救训练。Une fois que tout ça, ça avance dans le temps, au fil des mois, la finalité c'est de faire un trou fermé, à vue. Donc toujours avec le papa. À vue, si ça marche bien, on ancre la chose, on le fait, on continue, nanana. Et puis de temps en temps, dans ces manips, on va commencer à essayer de passer sur une personne étrangère.高山天气瞬息万变，加上春季融雪，雪崩山难更容易发生。法国阿尔卑斯山特别的搜救犬训练营，目标是将狗狗们变身为搜救团队的好帮手，但如何让他们乖乖听话是一大考验。C'est surtout avoir la connexion avec le chien. C'est beaucoup passer beaucoup de temps quand il est petit avec lui, tout le temps quasiment, tout le temps avec lui. Et puis après c'est sur la base du jeu.Donc, c'est son boudin qui est là. Voilà, c'est avec ça qu'on le. 训犬师透过零食与游戏奖励，培养狗狗的敏锐度和配合度，同时还得扮演受困者，躲在雪堆中等待救援。人与狗狗之间友好互动是培养计划成功与否的第一步。C'est important parce qu'en fait, si on n'aurait pas ça, on n'aurait aucun lien de jeu avec le chien. Lui, il adore mordre, il adore tirer, donc c'est ce qui nous fait le lien entre le maître ou même sur un étranger. 在面临严寒和缺氧危机前找出受困者，分秒必争的救援行动不仅需要搜救团队的专业能力，搜救犬也是其中关键。雪地英雄出任务指日可待。大爱新闻王家正编译。